Salut Sébastien, bienvenue. Aujourd'hui, on va jouer à Crisis 3. Je suis accompagné d'Eddie. Salut Eddie. Salut Buster. Donc, sans transition, on va attaquer directement. Ok. Bon, alors, quoi de beau alors? Nouvelle vidéo là sur Crisis 3. je sens que l'épisode va être épique. Catastrophique. Les mecs, ils ont jamais fait ça de leur vie. Non, mais bon, allez, on se lance. Hein. Faut bien faire 2-3 tests. Il y a 23 ans. Ah bah, c'est pareil, les assaut missiles notre monde. C'est pareil, tu les as arrêtés. Arrêté. Non, ça je le laisse parce que c'est bien. Ouais, bah écoute. Ils expliquent un peu ce qui s'est passé avant. D'accord. Si tu connais pas l'histoire, je connais pas. Ah, ok. Tu l'as déjà terminé ce jeu quand même hein. Une fois, ouais, à la sortie quand je l'avais acheté. Nous a tous pris au dépourvu. C'est sorti quand en 2013, février 2013. Ça date un peu, mais ça reste. On appelle prophète. Ça occupe. Et je suis le seul. En fait, c'est comme un espèce de cyborg. En fait. Non, c'est un être humain avec une combinaison. Enfin. Ah, d'accord. Ah, donc il y a quand même un bonhomme en dessous. Là. Le plus puissant des aliens, l'Alpha Ceph, est toujours vivant. C'était pas dans le 1, tu sautais des bâtiments en bâtiments là. C'était pas dans le 1, c'était un aperçu du futur. Je dois penser à un autre jeu, je pense. Tu sais, il y avait un jeu où tu... C'est bien, tes interventions, c'est percutant. Je me rappelle plus. Mais je l'ai fait il y a longtemps, moi, le 1. Je me rappelle, ouais, que tu y jouais longtemps sur le 1, mais... Je sais plus, je sais que c'était plus ouvert que ça, dans mes souvenirs. Ouais, tu pétais le sol et tout, c'était pas celui-là. C'est en quoi je crois. Non, je crois pas, non, non, je crois pas. Être un soldat ne se réduit qu'à une chose. On aurait peut-être dû commencer par le 1, enfin, quand Non, bah c'est pas que vous seriez prêt à non, mais c'est le résumé, je crois. Souvenez-vous de moi. On m'en frappe, là. Quand on m'a confié la nano-combinaison, j'ai sacrifié l'homme que j'étais alors pour devenir prophète, une machine de guerre. Quand ma propre chair m'a trahi, je l'ai remplacé comme une vulgaire pièce de rechange. La victoire a un prix. Chaque fois, le prix est un peu plus élevé. J'ai vu ce que l'avenir nous réserve. Et qu'il ne restait rien de moi pour l'empêcher. Ça rappelle Mass Effect. Ouais, Mass Effect avec les... Dans la machine de guerre utile, vous faites des fous. Coupes de géants. Qu'est-ce qu'il vous reste Attends, j'ai un trou. Non, je confonds avec Stargate et Replicator. Ah ouais, d'accord. Mais là, ça s'appelle pas comme ça dans le temps. Sur Stargate. Sur Mass Effect. Comment ah, les moissonneurs. Les moissonneurs, voilà. Voilà pour le résumé. D'accord. Et puis on attaque direct. On attaque les deux. Ah, graphiquement ça va, on prend bien. Hein. T'as quoi déjà comme carte graphique? ça je te le dis direct, ce sera coupé au montage. Ah bon? D'entrée de jeu. Parce que sur mon PC, il passe pas comme ça. Hein. Ce sera dans la version non censurée, ça. C'est la version de luxe. Ah non, mais c'est vrai que graphiquement, il a l'air sympa quand même. Hein. Ouais, enfin, c'était bien optimisé aussi. Ouais. Bon, là, il y a juste un fusil qui disparaît, mais bon, c'est pas non, mais ça, pour c'est... méchant, hein. C'est une intro de.
De quelle année il date, tu m'as dit? 2013, ouais. Ouais. Février 2013. Non, après, sorti en France. Après, ça reste propre, hein, graphiquement. Rien à dire. C'est un jeu propre. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, je pense qu'il faut pas trop qu'on s'étend sur les trucs techniques. Ouais. Bah, visuellement, c'est propre. Voilà, je le dis. T'as un problème avec le mot propre ou... Non, mais c'est... Voilà. Direct. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un poil content déjà. Donc toi qui as fait les opus précédents là. Ouais, il y a longtemps, très longtemps. Lui, il y était déjà, ce perso là, ouais, l'espèce de général là. D'accord. Eh bien, ils connaissent déjà l'équipe, quoi. Tiens, ça te sera utile. Dan, on est trois à sortir. On se fait discret. Allez. C'est parti, les amis. Faites diversion. Prophète, on est pas. Roméo leader, ici Roméo 1. Allumage en c'était pas mal foutu. Hein. Ouais. Ah, c'est sur une plateforme pétrolière en fait. Ah, ouais, j'ai l'impression. Ah, ouais, ça a l'impression d'être en pleine mer. Ouais. On a le même temps dégueulasse hein, d'ailleurs hein, chez nous. Ouais. Ceux qui habitent dans les contrées un peu plus chaudes, profiter du soleil. Nous en ce moment, c'est pas le top. Ah, enfin, ça fait 2 mois que c'est pas le top chez nous. Ouais, mais bon. Oh, le soleil revient doucement quand même. On va leur parler de soleil. Ouais, on va peut-être pas vous parler de soleil, hein, les amis, mais. Une petite dédicace pour notre région. Ah, faut que j'ouvre un truc, non? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à appuyer sur F4? Ok, good. Essayez de me concentrer un peu quand même. Et alors en mode silencieux. Le seul truc qu'on a, c'est l'effet de surprise. Ouais, tu vois, je vais y aller en mode bourrin. Martyr le silencieux. Je suis pas trop du genre discret, quoi. Ouais. Ouais, faut y aller à l'arrache. On va se la jouer en douceur. À l'arrache. Ils ont des escouades par là. Oh là, ça dans déjà. Ta face. Ça c'est fait déjà. Vous avez entendu ça? Attendez. Ah, c'est pas mal ça. Ah, ouais, on peut se camoufler. Ouais. Mais tu vois, en bas à droite, t'as une barre d'énergie. Donc quand elle arrive à sec, il faut que t'arrêtes et elle se recharge en fin de compte. D'accord. Ah ok, donc... Bon bah c'est mort. J'ai fait le retour à découvrir. C'est mort, on va y aller en mode bourrin. Ouais. Ah c'est pas mal ça. Tiens, ta gueule. Ouais, lui il passera pas le week-end. Donc là en fait, si je résume bien l'histoire, là en fait vous essayez de vous évader de la plateforme en fait, c'est bien ça. Oui c'est ça. C'est ça. C'est ça. D'accord. Parce que tes potes, enfin les potes du jeu, ils sont venus te chercher en gros. Ouais, c'est ça. C'est en gros, grosso merdo. Mais bon, c'est ça quoi. D'accord. Il était là quelque part. Ok, passez devant. Putain,
C'est fluide, hein? Ouais, c'est pas mal. J'ai pas tellement l'habitude de ces graphismes-là, moi, en fait. C'est disons que je tourne sur un PC un peu plus... J'aurais bien dit c'est la grande sœur de ton PC, mais... Enfin, c'est le grand frère, mais je dirais même c'est le grand-père, parce que... Moi, je tourne avec vraiment un PC un peu... Merdique, tu peux le dire. Ça commence à être rustique. Je sais pas où il faut aller. Radar, tiens à gauche là, tu dois. Ça doit si pas... je me rappelle bien, je crois que faut que j'ouvre la porte ou une connerie dans ce genre là. Tiens, il y avait un truc à récupérer. Ouais. Je sais ce que c'est. Nouvelle info. On va peut-être pas s'attarder sur les détails. Oh non. Tiens, il y a le tapis là, faut le retourner, il était mal mis. Ah, ouais, d'accord, toi tu t'arrêtes vraiment sur ta, sur les sur détails. Ta gauche là, regarde, t'as un tapis qui retourne. Ah non, c'est même pas un tapis, c'est un. Ah bah si tu veux t'arrêter sur les détails, moi je m'arrête, hein. Roméo 1, en mouvement, sur cible terminée. Ah, pas mal les armes. Ouais, c'est pas mal. Elles sont pas mal. C'était un beau merdier. Tiens, essaie avec ça. Ah ouais. C'est un beau petit merdier, c'est comme il dit, collègue, là. Maurice. Ouais. Ça te plaît? Non. Tu changeras d'avis quand je t'aurai fait le topo. Les carbolasers ont associé cet arc à ta nano-combinaison. Il a assez d'énergie cinétique pour stopper net un rideau. Pour ce qui est des têtes interchangeables, elles peuvent accueillir des charges explosives. Et surtout, tu restes camouflé. Ok. Alors, toujours sceptique? À mon avis, tous les coups, tu peux pas tirer, il faut que t'es en mode camouflé, quoi. Si, si, tu peux. Ah, tu peux tirer en mode camouflé. Ah, d'accord. Le petit ventre en mode Rambo, là. Ouais, un peu. Ah oui. Tu sais bien que Rambo, il avait un arc, mais bon. Roméo 1, sommes en position. Foxtrot 4, paré pour l'allumage terminé. Un silencieux, et puis on va y aller. Il y a un peu de peuple, hein, quand même. Hein. Ouais. Ouais, faut peut-être y aller un peu plus discret, quand même. Tiens, lui, un petit pétard dans la tête. Ah. Ouais. Ouais. T'as vu la pose qu'il fait, toi? Alors, je vais les repérer tout de suite. Ouais. Et ça te sert à quoi, en fait, de les repérer? Bah, après, je les ai en rouge, moi, sur ma carte. Ah oui, d'accord, ça te les remet sur ta carte. Sur ta carte. D'accord. Mets-lui un coup de couteau à lui, mets-lui. Alors... J'ai arrêté au couteau. Ouais, j'en doute pas. Ouais, c'est pas mal ça. Oh. Ah ouais, d'accord. On va peut-être attendre que la vie. Ta vie elle se recharge quand même. Ouais, 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 elle se recharge vite. D'accord. Ouais, c'est pas mal comme combi quand même. Combinaison comme ça. Mais il peut la retirer le. T'as entendu ce qu'il m'a dit là? Non. Viens te battre, petite qui a dit. Je te promets que c'est vrai. Ah, j'ai pas entendu. Mais sa combinaison là, ton héros, là, il peut la retirer ou quoi? Non. Ah, il peut pas la retirer? Non. Ah, d'accord. Ça veut dire il est foutu à vie avec sa combinaison. Bah, normalement, quand tu la retires, tu dois mourir, mais je me rappelle plus très bien de. Je te dis l'histoire. Bah, de toute façon, on va le savoir. Mais l'autre, là, le copain, là-haut, avant, il en avait une combinaison. Ah, d'accord. Ah, il y en avait deux, des gars, comme toi, en fait. Bah, il y en avait plusieurs, tout au départ. Ah, d'accord. Parce que c'était une combinaison pour l'armée, en fait, pour la guerre. Ouais, ouais. Et les autres, ils sont morts, ou comment ça s'est passé, cette histoire? Ouais, ils doivent être morts. À mon avis, je te raconte des conneries, ouais. Je te dis, je me rappelle plus. Ouais. Je me rappelle plus de l'histoire. Là, t'as une caisse à outils, là. Je comprends. La moine moerneux. C'est quoi que tu as dit, la moine moerneux, là? Moine moerneux. Mort moerneux. Allez, un petit barbecue. Il ne doit plus y avoir grand monde là, il y en a un là-haut. Là-haut. Et puis a priori c'est tout. Ouais. Et profil bas, trouvons-le.
Ah, bah, et puis c'est ton pote qui s'en est occupé, apparemment. Il est juste au-dessus, je crois. Tes potes, ils t'aident aussi. J'en ai un qui est encore vivant, là. Tes potes, ils t'aident. Juste au-dessus de moi. Ah ouais. À mon avis, tu vois, il doit être là-haut, mais bon. Tes potes, ils peuvent t'aider à les buter. Ouais, enfin, j'ai pas l'impression qu'ils fassent grand-chose, hein. Ça c'est quoi là que tu utilises là, c'est le bouclier? Ah c'est ouais, ça protège des balles. Ah ouais. Bah c'est le même. C'est un peu mieux quand en normal. C'est une option qui remplace le camouflage quoi. Ouais c'est ça. D'accord. C'est ça. Ah t'as plusieurs caractéristiques sur la combi quoi. Voilà. Allons-y. T'as que blindage et. Bah il y a le blindage. T'as le camouflage. Ouais. T'as ça. Ah, la vision nocturne. Ça peut être pas mal. Ouais, ouais. C'est vision infrarouge plutôt. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça peut te servir. Ah, ça peut te servir pour repérer les. Roméo 1, Roméo 2. Je me souviens plus, mais je suppose qu'il y a. Il y a un peu de jeu dans le dans la nuit, à mon avis. Ouais. Et nous sommes de retour dehors. Oula, bah ça pète là-bas. C'est de là-bas que t'as commencé en plus, je crois bien. Bah ouais, je pense, ouais, ça ouais, paraît logique. C'est là. C'est de là que t'es parti. Ah, ça canarde, ça canarde. Ah oui, il y a ça aussi. On peut pirater les. Les portes ou les armes ennemies ou les trucs comme ça. Ah d'accord. Bordel, dans quoi on a foutu les pieds? C'est le complexe central du sel. Doit bien y avoir 2 milliers de forces spéciales qui se traballent dans ce secteur. Et les Sèvres? T'as pas fini avec ça? Les aliens c'est du passé. Quand est-ce que tu vas percuter? Sel. À reprendre un petit peu de munitions. Oh, dites-moi que c'est une blague. Allez, psycho, on bouge. Allez, enfoncez-moi ça. Arrache à ma putain de combi, montre un peu ta gueule pour voir. Psycho, on y va. Je me souvenais pas qu'ils étaient grossiers comme ça. Ouais. Je te jure que je te retrouverai. Ah ouais, elle crevait bouche ouverte. Quand il te charcute, t'es encore conscient, tu sais. Ah, il est en train de se faire foutre une combinaison. Hein. Le cœur a pas encaissé le choc. Ouais, il est en train de parler de ça. Ouais. Ah, d'accord. Et lui, donc, c'est ce gars-là qui avait une combinaison avant, ouais. C'est ça. D'accord. Bah, ça va, il s'en est sorti alors, finalement. Oh, et puis merde. Visiblement. Le gars. On y va. Il s'en est sorti, le gars. Ok, je te couvre. On se retrouve à l'autre bout. Tous les secteurs en état d'alerte. Les fugitifs franchissent le périmètre. Tirez à contrôler vos secteurs. Reçu. Camouflage activé. Tiens, lui. Oh oui. Il est loin. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est pas mal. Au lapin. La tire au lapin. Camouflage activé. Il y a un corps ici. C'est propre ça. C'était propre. Chargé tranquillement. Recharge au calme. Vas-y, marqueur. Voilà. Normalement, je les ai tous. Il n'y a pas à l'étage, là. Hein. À toutes les unités, on a un intrus. Dispersez-vous pour trouver le tireur. Ça, c'est bon, ça. Oh, merde, ils sont là. Donnez l'alerte. Ah, t'as vu, il prévient ses potes en plus, t'as vu. Delta 6, besoin de renfort, terminé.
pas ça qui va me faciliter le travail. Ouais, il fout une grenade à 8. Alors, ça, c'est fait. Ben voilà. Bon, ensuite. Et comment que tu recharges tes balles? C'est sur les ennemis que tu récupères tes balles? Non, il y a des caisses qui traînent à droite à gauche que tu peux repérer avec ça, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est pas ta combi à la mort moineux qui va te sauver. Alors, on sait, tu nous l'as dit tout à l'heure. Allez, carton, bourrine. Faites-lui une jambe. Tire-y dans la guitare. Voilà, vise les jambes. Fais-le danser, là, un peu. Là. Oh, il est pas mal, il a l'air pas mal. Oh, oui, il a l'air pas mal, celui-là. Ouais. Alors, attends, qu'est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre ça. Il a l'air sympa, celui-là. Ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Ah, si les renforts ils se sont fait buter, ils viendront pas, mon coco. On va les péter là. Ah, ok. Vise-moi un peu. Fais gaffe. Ah, mais t'as plus de. Bah, ouais. On va peut-être se mettre à couvert quand même, ouais. Au propre. Bah, comme je disais au départ, c'est un jeu, il est plutôt propre. C'est assez propre dans l'ensemble. Bim! Voilà! Surtout que toi t'es plein branché jeu FPS toi principalement quand même. Non bah non. Non. T'es sur quoi d'autre? T'es sur quoi d'autre? Ah, Planet Coaster, oui, d'accord. Ah bah oui, d'ailleurs, en plus t'as déjà fait d'autres vidéos sur ça, sur Planet Coaster. Ouais, j'en ai mis une hier. Ah d'accord. Oh, faudra que j'aille la visionner. Et c'est sur ta chaîne, ça aussi, ou c'est... Ouais, ouais, pareil. Ouais. Et donc, Planet Coaster, c'est un jeu de coaster, j'imagine. Déconcentre. Des conneries. Ah bah, si on peut faire... Bah non, enfin... Bon. Si on peut faire de la pub, c'est un petit peu de pub au passage. Ça peut être bénéfique. À mon avis, il y a une machine qui tire là-bas. Non, c'est deux gars. Non, mais attends, je vais te montrer. Ah ouais, balance une grenade là-dedans. T'as pas une grenade qui traîne? Général, t'as des grenades qui traînent là-dedans. Non, il y avait rien. C'est ça, c'est bizarre. Hein. Donc du coup, t'as déjà fait plusieurs vidéos sur Planet Coaster. Non, attends. Bon, tu comprends. Ouais, je confirme, je couperai ça. Ah, tu veux pas mélanger les... Bah non, et puis je vais pas me faire de la pub. Bah si, non, mais écoute. Bah écoute. Bah écoute. Ah bah, faut y aller, faut oser. D'ailleurs, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite. Il n'y aura pas de lien sur celle, sur mes autres vidéos qui fait. T'es sûr de pouvoir t'en charger de ton côté? Bien sûr. Ah, tu couperas. Oui, je couperai. Oui. Bon, j'arrête de près. Parce que tu bouffes de la bande son. Après, pour te recaler, après ça va être chaud sur le... Non, je recalerai. Tu arriveras à recaler? Ouais. Bah, quand est-ce que j'ai dit par rapport à... De toute façon, ce sera dans l'époque, ce sera. Ouais. Ah, tiens, tu vois... Ce sera du gros sommerdo, quoi. C'est la même arme ou c'en est une autre? Ah non, c'en est une autre. Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal, celle-là. Ouais, elle a l'air un peu plus bourrin, celle-là. Ouais, on va y aller. Ça a l'air d'être un peu moins furtif, celle-là. Ouais, un peu moins furtif, je comprends. Et l'autre, j'ai quoi comme arme? J'ai ça. Ouais, ça, on va peut-être le changer. Ouais, ça, c'est moins furtif aussi, ça. Ouais, on est peut-être un peu mieux armé avec ça, non?
Bah, l'autre, c'est un peu plus sale quand même, hein, le fusil à pompe. Ouais, j'ai pris les mêmes en fait. Moi, ouais. Je vais garder le fusil à pompe. Ouais, garde une arme sale quand même. Il t'en faut au moins une dans l'inventaire. Des fois, dans les FPS, faut y aller sale. Faut jouer sale des fois. Pour avancer dans un jeu, faut jouer sale. Tu vas voir, je vais jouer sale. Vas-y, joue sale. Tiens, lui, tiens, direct. Au pompe. Ah non, moi j'aurais collé une cartouche. Moi. Ouais, il est pas mal celui-là. Hein. Ouais. Au pompe, ça a pas le même effet. Tu veux que j'y aille au fusil à pompe? Ouais, mais bon, là, bah, c'était bien, c'était parce que c'était dans le dos, quoi. Dans le dos, au pompe, y a pas plus traître. En fait, avant de se casser, le gars, il pète tout ce qu'il trouve, hein, en fait, avant de se barrer. Parce que l'idée, c'est de se barrer où, en fait. Oula. Oula, il y a du monde, là, ouais. Je sais même pas où faut que j'aille. C'est bon. Je vais déjà tous me les faire. Ouais, il faut tout cartonner avant de se barrer, quoi. Et puis, la plateforme. Ouais, normalement, tu vois, t'as la petite flèche bleue où tu dois te rendre. Ah, c'est l'objectif. Tiens, lui. Ah, j'aurais mis une cartouche quand même aussi, elle. Le design des armes, ils sont pas mal quand même, hein. C'est pas mal réalisé. Hein. Bah moi j'aime pas trop quand c'est. Oula, quand c'est trop futuriste. Ouais. Et là les limites, hein, celle-là. Ah c'est limite. Ouais. Arme, ouais. Mais ouais, il y a de l'idée, hein. Ils sont pas mal. Parce que là, ça serait en quelle année, genre Enfin, dans l'histoire du jeu, il n'y a pas spécialement d'années. Si, mais je ne saurais pas te dire, là, comme ouais. Ça. On est dans les 2090, là. Ouais, je n'ai aucune idée, pas sincèrement. Tiens, mets-lui un pompe, lui, dans la tête. Mais fous-y une cartouche, à lui. Allez, Buster, faut lui foutre une cartouche, merde. Ouais, bah, on va y aller à la cartouche, si tu veux des cartouches. Faut y aller à base de cartouches, de temps en temps. Il te reste trop de balles encore. Voilà. Voilà. Il te reste trop de cartouches encore dans ton chargeur. Moi je dis, faut que t'en vides un peu. Ah, je vais en vider. T'as lui il en veut une cartouche aussi. Bim. Tu vois, c'est plus sale déjà. Bim. Et voilà. Faut aller au contact. Il doit plus y avoir grand monde là. Ouais. Bon bah t'as fait le ménage. Bah oui, visiblement. Alors. Ah, c'est pas là qu'il faut aller. Faut remarquer sur son CV, déménageur. Bah, c'est la zone suivante. Psycho ? Ouais. Bien sûr. Tiens, cartouche lui. Vas-y, Bibi, lâche-toi. Ouais, j'allais dire une connerie. J'allais te demander si je reste PQ. Je pense à... On a trop du départ. Juste pour que les gens comprennent quand même l'histoire, c'est que la dernière fois qu'on a voulu jouer à Warface, il m'a fait attendre une heure qu'il se connecte. Et le gars, au moment où il se connecte, il me dit j'ai envie de chier. Ah bah écoute, ça c'est des choses, ça attend pas. Moi, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Thank you.
Ah bah lui, il te fait économiser des balles, c'est pas plus mal. Tiens, allez. Oh la vache. Oh là, couvert, oh là, bah oui. Ah, il a l'air d'être costaud quand même. Hein. Tu l'as mis en quel mode là? Il y a pas de. Non, je suis en mode normal. Normal. Je vais y repérer un coup, je sache où j'en suis quand même. Oh là là, il y a du monde hein. Ah bah oui. Encore un, alors. Voilà. Oh, il y en a quatre. Et t'as un peu petite. Ouais, ça fait deux fois. Ouais, ouais ça m'aurait pas plus. Mais... Moi, je dis vengeance. Voilà, t'as vu la petite. Tiens, la part de la petite. C'est lui qui l'a dit. La part de la petite encore. Ah, j'ai plus de munitions. Tiens, t'as une arme devant. Oh, grenade. Ah, ça désactive ton bouclier, ça. Ça, tac. Ouais, ça désactive le bouclier. D'accord. J'ai gaspillé une flèche. Déchire le bruit de la flèche là, qui part. Tu sens que c'est de la bonne grosse flèche qui part. Bim ! Elle est puissante hein, quand même. Hein. Ouais, tu peux régler, tu vois. Ah ouais, tu d'accord. Tu peux régler la puissance de l'arc. Là, il y a une bonne tension dans la corde de l'arc. Je pense qu'ils sont tous morts. Ouais. Ah, t'as pas fait de cadeau. Il y en a encore un. Ah, ouais. Pas ce qu'il espérait, lui, mais. Bon, bah écoute, c'est pas mal. T'as bien nettoyé la zone. Tiens, attends, j'ai entendu une porte là. Non ? Oui, à mon avis, c'est par le bois d'ailleurs. Il court vite hein, ton bordel. Ah bah il a une combinaison. Ah ouais. Ils ont mis un moteur au cul ou quoi? Tiens. Bim. Okay. Alors. Oula. Fais gaffe. Le sel pose des tourelles. Tu peux les pirater. Si seulement je pouvais faire pareil. On va essayer. Voilà, je t'ai fait ça toute ta vie, toi. Oh, elle est bien cette arme, je vais peut-être la garder. Ouais, pas mal. Qu'est-ce qu'il a? Peut-être changer de fusil à pompe, il est pas terrible le fusil à pompe. Ouais, c'est un peu trop sale le fusil, ouais. Où faut-il aller? Je sais pas. Saisir. Au pirater. Ah ouais. T'as le droit à combien de chances? Bah. Ah bah ouais, c'est foutu. Visiblement, ah, tu dois recommencer. Ah, puis ça t'a l'air dégâts quand tu rates. Ah non, si, c'est bon, c'est ouvert. Ah bah c'est. J'allais lui tirer dessus. C'est ton pote? Ouais. Ah ouais, d'accord. On fera la jonction avec mes hommes une fois entrés. Tes hommes? Depuis quand? Tu me connais, je bosse toujours en équipe. J'irai nulle part tant que j'aurais pas eu de réponse. Ouais, je me rappelle. La plupart écrivent les têtes. Le sel détient toute notre énergie. Tu peux pas payer, tu travailles pour rembourser. Et bien sûr, t'y arrives jamais. Tu te retrouves à bosser toute ta vie pour éponger tes dettes. Pas d'autre choix. Enfin, si un seul, résister. Écoute, laisse-moi t'expliquer ce que le sel a manigancé pendant ton absence. Je pense que t'y verras plus clair.
Bienvenue à New York. Version 2.0. Ah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai pas compris en fait comment ils sont arrivés là. Tu passes d'une plateforme, t'arrives ici. Ah, c'est du faux, regarde. T'as vu le ciel, ça a l'air d'être de la connerie. Hein. Le sel. Il exploite l'énergie d'une technologie alien. Tout leur réseau est alimenté par une machine Ceph abritée sous ce dôme. Ça peut pas être aussi simple. C'est pourtant simple. Tu coupes le courant, le sel meurt. Un vrai jeu d'enfant. Non. L'Alpha Ceph m'a montré une vision. J'en suis convaincu. Y a plus qu'à faire la connexion. Prophète, les aliens, c'est du passé. C'est même toi qui les as exterminés. Il en reste quasiment plus. Non. C'est pas terminé. La preuve est sous nos yeux. Quelque part dans le coin. On touche au but. Écoute, pendant que tu cavalais après ton fantôme de super alien, c'est vrai, graphiquement, c'est bien. Conquis le monde. Toi, même 2013, hein, c'est ça qui fait. Même la peau et les pores de la peau, c'est bien fait. Hein. C'est vrai que c'est propre. Non, c'est vrai que c'est. Franchement, ouais, c'est propre. Ce que j'ai vu, y a pas à chier, hein, c'est vrai. Ni des puissances qui dépassent son entendement. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête. Mais c'est la fin du monde assurée si on ne les arrête pas. Ouais, ça tient qu'à nous. Allez, on s'y met. Ben voilà, première partie faite. Ouais, on est good pour cette première partie. Okay. Donc là, normalement, je crois qu'on attaque le chapitre 1, mais ce qu'on fera la prochaine fois. Voilà, qu'est-ce qu'on a pensé le moment? Ouais, c'est pas mal. Pas mal. On va voir la suite. Ouais. Bah écoute, bah faut revoir aussi au montage ce que ça va donner. Mais... bah à mon avis, t'as du taf, faut peut-être pas que je parle de trop, parce que si tu dois faire plein de coupures, ça va être chaud de tout écouter. Ouais, mais c'est bien que tu parles. C'est bien que tu parles. Parce que justement, ça meuble. Après, tu veux que fasse couler un café après? Après, attends, faut qu'on finalise ça proprement. Ah ouais, d'accord. Ouais. Après, comme je te disais, on en parlera après, on va finaliser ça proprement. Parce que là, ça va jusqu'à quand il faut qu'on finisse encore la deuxième partie. Non, là, on a terminé de jouer. Là, faut qu'on parle pour faire une partie. Ah oui, d'accord.